Non, Marion, en te servant de ton super pouvoir, tu risques de le blesser avec une planche. Patchy, Patchy, Patchy. Tu fais la pipe, hein? À quoi je sers, moi, si vous me laissez jamais rien faire en mission? Marion, on est une équipe. Peu importe celui qui a le rôle prépondérant. Prépondé quoi? Enfin, je veux dire le rôle principal. Oui, sauf que c'est jamais moi. Vous me mettez toujours à l'écart. Je sers à rien. J'en ai marre de vous. Ras-le-bol. C'est à cause des mini-justiciers? Ils me laissent jamais intervenir. J'ai l'impression d'être nulle et de servir à rien. Hé, hey, tu rigoles? T'es trop géniale. Ils sont juste jaloux. Tu vaux mieux que les quatre réunis, tu sais. Tu crois vraiment? Mais carrément! Si tu veux mon avis, tu perds ton temps avec les autres. Si t'as envie, j'ai peut-être une mission digne de ton talent, Marion. Une mission rien que pour moi? Hoi 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 hoi, la pluie va tomber. Merci Marion, t'as été génial, c'était top. Mais pourquoi je dois rester cachée pendant que toi tu fais ton cirque? Tu comprends pas? J'ai fait ça pour protéger ton secret. Dépêchons, j'ai des clients, enfin, des tas de potagers qui ont envie d'être arrosés. Bon, c'est vrai, Marion est peut-être un peu susceptible ces temps-ci, mais elle va revenir. Oh, je crois qu'il faut qu'on aille lui parler. À mon avis, c'est pas gagné. Repasser un autre jour, Norman et moi, on est débordés. Norman et toi? Allez, on est désolé de t'avoir vexé. Laisse tomber ce baratineur de Norman et reviens avec nous. Trop tard. Norman, lui, il connaît ma vraie valeur. Allez plutôt vers le minage au repère. Nous, on a du travail. Des mini-justiciers, venez vite, il y a le feu dans le parc et il y a quatre copains qui sont restés coincés à l'intérieur. Avec ces grandes flammes, impossible d'approcher pour utiliser mon pouvoir. Panique, les amis! Je m'en charge! Pluto extincteur! Ça y est, je les vois! Ils sont cernés par les flammes! Oh, si Super Pleurnichard était avec nous! Regarde! Ton vœu vient de se réaliser! Je vous aide, mais je veux un vélo! D'accord, tu l'auras ton VTT. Mais faut plus traîner, mon petit. Aïe, 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 la pluie va tomber. Tu te fais avoir, Marion. Ce baratineur se sert de toi pour se faire offrir des cadeaux par tout le monde. Vous racontez n'importe quoi. Norman ne ferait jamais un truc pareil. Ah ouais? T'as qu'à demander au chef des pompiers ce qu'il en dit. Bon, alors, elle vient cette pluie ou non? Dépêche-toi, petit, ou tu peux dire adieu à ton VTT. C'est bien compris? Tu es un menteur, Norman. Mais maintenant, je marche plus.
Je suis désolée, monsieur, mais mon pouvoir, il veut plus fonctionner. Alors, les mini-justiciers, vous allez m'aider à l'éteindre, cet incendie, oui ou non? Tu peux compter sur nous, Marion. Venez nous aider, au secours. Allez. 127 mètres, 26 degrés plein sud. Maintenant, à toi de jouer, Super Prout, allez. Mais aussi, c'est de notre faute. On n'a pas été très cool avec toi. En tout cas, heureusement que t'étais là pour assurer la mission. Tu le penses vraiment, Yvon? T'es la meilleure chouineuse de toute la Terre, Marion. Sérieusement. Demain, on part pour les étoiles à bord d'une vraie fusée. Elle est quand même impressionnante, cette fusée, non? Bah, moi, elle me fait pas peur du tout. En même temps, j'ai jamais peur. Moi, Super Prout! Faites attention! On a eu chaud. Merci beaucoup, Nathan. Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment te remercier, tu es mon héros. Et à ce moment-là, splash! Le seau de ciment s'écrase par terre. Heureusement que Nathan était là pour la sauver. J'étais sur le point de la sauver moi-même. Sauf que Monsieur Nathan a voulu faire son intéressant, comme d'habitude. Mais on dirait que Greg est jaloux de Nathan. Hé, hey, Nathan, tiens, prends mon dessert. Tu dois avoir besoin de force après ton incroyable exploit. Il n'y a rien entre nous, promis. Monique et moi, on est juste copains, c'est tout. Quand une copine te donne son dessert, c'est louche. Elle a un truc derrière la tête. Oh, sérieux, Greg? Si je te le dis, tu sais que tu peux me faire confiance. Vous êtes les meilleurs amis du monde, non? Alors faites la paix, serrez-vous la main. Tout le monde sait bien que le chouchou de Monique, c'est Greg. D'accord, vous avez gagné, c'est bon. Je te préviens, si je te prends à tourner à moins de 3 mètres d'elle, ça va chauffer. Ok, tous les mètres que tu voudras. Marché conclu. Vite, venez au parc. Un serpent géant s'est échappé du zoo et il va dévorer Petit Louis. Tu as mis la mission en danger? C'est pas de ma faute si je suis plus rapide que Nathan. T'es surtout plus jaloux.
Monique veut seulement le remercier de l'avoir sauvé et rien de plus. C'est ça. Eh ben, je vois pas ce qu'elle lui trouve au champion de la gamelle. Répète, tu te prends pour qui, monsieur Boulpiote? Ça suffit. Il faut enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toutes. Hors de question. Si seulement Greg avait sauvé Monique le premier, toute cette histoire ne serait jamais arrivée. Monique! Oh, mais bien sûr! Il faut qu'on trouve un moyen pour que ce soit Greg qui la sauve en premier cette fois. Et comme ça, il verra qu'elle tient vraiment à lui et que Nathan est un ami. C'est une idée géniale, Yvon. Mais comment on va s'y prendre? J'ai peut-être un plan! Incroyable! J'en reviens pas! C'est vrai, je vais pouvoir essayer la fusée avant tout le monde. Trop bien! Tu avais raison, Monique. C'est vrai qu'elle est impressionnante, cette fusée. Rien qu'en la regardant, d'un coup, je me sens tout petit, petit, petit. Alors ça, c'est pas malin. Comment je vais descendre, moi, hein? Mais t'inquiète pas, Greg devrait arriver d'une minute à l'autre. Il va voler à ton secours. Enfin, si tout se passe bien. Comment t'as su qu'elle était en danger? Un peu par hasard. Je l'ai vu depuis ma fenêtre de chambre. Hey, qu'est-ce qu'il fait encore là, celui-là? Salut, Greg. Je voulais m'excuser. Rester fâché comme ça, c'est vraiment trop bête, non? On est la bande des mini-justiciers. Dégage du chemin, j'ai une mission urgente. Greg ne viendra plus maintenant, c'est trop tard. Faut qu'on actionne l'échelle de secours, non? C'est mission impossible. Mais non, on peut y arriver. Il suffit juste que je te donne un coup de main avec les autres. Excuse-moi d'avoir douté de ton amitié. Comme copain, je vaux pas un pet de lapin. T'as pas tort, c'est bien vrai. Mais comme tu es mon meilleur copain, je te pardonne. Parfait, les gars. Qu'est-ce que vous allez faire pour fêter ça? Zut, excusez-moi. On est enfin seul. Prête pour une petite balade? J'adore marcher au clair de lune sous les étoiles. Thank you.
un beau soleil, sans nuages, ensemble, que nous deux, hein? Greg, attends-moi! Raconte-moi la dernière mission de la bande des mini-justiciers. C'est pour le journal de l'école. Génial! Eliette, tu m'apportes la photo de la bande des mini-justiciers? Oh, trop bien! T'es la meilleure! Moi, j'adore les mini-justiciers. Moi aussi. Qu'est-ce qu'ils sont forts? Les mini-justiciers sont les meilleurs! Les mini-justiciers, les mini-justiciers, il n'y en a que pour eux, jamais pour les autres. Moi aussi, je peux sauver des gens et jouer les héros. Mais oui, je viens d'avoir une idée. Une maxi bonne idée. Ouais, on est la bande des maxi-justiciers. Moi, je suis super fort. Arrête, Axel! On a dit qu'on gardait nos pouvoirs secrets pour nos missions. Un sauvetage express, une urgence, un problème, n'hésitez plus. Appelez la bande des maxi-justiciers. D'accord, mais si il y a déjà la bande des mini-justiciers. Ouais, ouais. Notre quartier général est dans le parc. Alors, venez vite nous voir. Là. Vous vous croyez meilleur que les mini-justiciers? Petit, petit, petit! Non, attends! On ne va pas rentrer dans leur petit jeu! Tu as raison, Elliot. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On s'en fiche! Franchement, Jade, tu me déçois beaucoup, tu sais. Les mini-justiciers nous ont bien mis la honte. On passe pour des rigolos. Bah, personne ne viendra nous demander de l'aide. Une aide! Vite au secours! Et Céline est coincée dans son ascenseur. Prévenez la bande des mini-justiciers. La bande des maxi-justiciers n'a pas dit son dernier mot. Donnez-moi vos goûters. T'en fais pas, Lucien. Les maxi-justiciers vont s'en charger. Mais tu promets de rien dire aux mini-justiciers, d'accord? C'est d'accord. Faut que tu préviennes Édouard Charles. S'il te plaît, tu lui dis de me rejoindre chez Céline. Ça marche, Jade. Prépare-toi à être surpris, Édouard Charles. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Ça y est, on tient notre première mission, les gars. Céline coincée dans l'ascenseur. C'est parti! En route, la bande des maxi justiciers. Rejoindre la cabine par là. Hey, c'est qui le meilleur? Axel. Il était temps. Ah, vous? Mais pourquoi c'est vous qui êtes là? Céline, on vient te sauver. Mais j'avais demandé à Lucien d'appeler la bande des mini-justiciers. Les mini-justiciers, c'est pour les minus. Les maxi-justiciers, ils assurent un max. Super téléportation! Quoi? Je voulais détendre l'atmosphère, moi! Super pyramide humaine! Allez, grimpe, Céline! On va te sortir! Charge maximum de l'ascenseur, 3 personnes. En fait, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est très grave et je regrette. Si vous me filez vos goûters, je vous le dis. Oh. Ah. Au secours. Sur le point de lâcher.
va monter pour les sortir de là. On n'a pas le temps. Il faudrait ouvrir cette porte. Laisse-moi faire, Greg. Elasto, pied de vie. Justicier. Lucien nous a tout raconté. C'était son idée. Tout le monde vous admire. À l'école, on parle que de vous. C'est pas juste. Vraiment pas juste. Je l'ai fait pour toi, Edouard Charles, parce que je voulais que tu m'admires aussi. Je suis désolée. C'est promis, Jade. Je te laisserai plus jamais tomber pour la bande des mini-justiciers. Tu comptes beaucoup pour moi. Je voudrais pas vous déranger, les amis, mais je commence à fatiguer, moi, là-dessous. Petit. Merci. Mission accomplie. On rentre au repère. Attendez, la bande des mini-justiciers. Il nous faut l'exclusivité de votre mission de sauvetage. Extraterrestre. C'est vrai, je vous jure. Ouais, c'est ça. Dis plutôt que t'as encore peur de ton ombre, Jeannot. Jeannot, poule mouillée, poule mouillée, Jeannot, poule mouillée. Mais fais gaffe à mes pompes. C'est des chartes toutes neuves. Au secours, au secours. Vous êtes là, sauvés. Je vous cherchais, les copains. Venez vite, allez. Dans le parc, il y a un drap. Il est énorme. Il est grand. Dis, Marion, tu peux le calmer, là? J'y comprends rien du tout. J'étais dans le parc. Je cueillais des fleurs pour mon herbier quand j'ai vu un dragon. Un dragon? Tu sais, Jeannot, les dragons... En vrai, ça n'existe pas. Je sais ce que j'ai vu. Il a des griffes, il bave et il est tout vert. C'est un dragon, j'en suis sûre. Tu te sens bien? Tu es sûr que ça gaze, Greg? Ouais, parce qu'on dirait que t'es un peu dans le vent depuis 5 minutes. Jeannot, la bande des mini-justiciers va aller enquêter dans le parc et te prouver que les dragons, ça n'existe pas. Beurre! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Hey, venez voir ça! Compte tenu de la taille et de la forme de ses traces, l'animal qui les a faites devait peser plus de 3 tonnes. Mais les empreintes sont peu profondes. Et ça, c'est pas logique. Voilà.
voyons voir où nous mènent les traces de ce fameux dragon. Les traces de pas mènent droit à la cabane du jardinier. On va vraiment entrer comme ça, sans savoir? Ouais, peut-être que le dragon est caché dans la cabane, c'est possible. J'ai lu plein de légendes sur le sujet, et je peux vous affirmer que les dragons sont tous cavernicoles. Ils habitent des cavernes, pas des cabanes. Quelqu'un t'a joué un mauvais tour, Janou, pour créer l'illusion d'un dragon dans le parc. Ah, mais comment savoir qui a fait le coup? Élémentaire, mon cher Nathan. Tout le monde laisse des indices. On n'a plus qu'à les trouver. En voilà déjà un. Ça, c'est du Jimmy tout craché. Regardez par ici, des semelles de Shark 412, comme les chaussures d'Henri. Et là, une mèche de cheveux violets, comme ceux de Carmen. Henri, Carmen, Jimmy, j'aurais dû m'en douter. Je crois que ces trois-là méritent une bonne leçon. C'est une vieille histoire dont je vous ai jamais parlé. Alors voilà, quand j'étais petit, un jour où ma grand-mère me gardait... Regarde, mon chéri, mamie t'a amené un joli dragon. Et depuis ce jour-là, j'ai très peur des draps. Jimmy, t'exagères, il est tard. Qu'est-ce que je vous disais? Les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. Pourquoi est-ce que t'as besoin de nous pour retrouver tes clés? Est-ce qu'il aurait peur des dragons par hasard, le petit Jimmy? Non, c'est juste qu'à 3, ça ira plus vite. C'est quoi cette puanteur? T'as pété? C'est celui qui dit qui est d'abord, hein? On dirait du brouillard. Fait qu'une bouchée de nous. Tu nous as sauvé la vie. Hein? Janot, tu es un vrai lion. On est désolé, Janot. C'était super nul de te faire cette mauvaise blague. Pardon. Hé, hey, les gars, je suis retournée dans le parc tout seul comme un grand et je n'ai pas trouvé un seul dragon. Regardez ce que je ramène. Qu'est-ce que je vous disais? Il est énorme. Oh, un dragon. Aïe.
de tel qu'une fête de la gentillesse pour inculquer aux enfants le respect des autres. Je rêve où tu viens de me traiter de teigneux, là. Tu m'appelles pas gros pif, compris? Ok, gros pif. Pouet, pouet. Un chat! Fais bien attention. Si à la fête de la gentillesse, j'entends la moindre plainte contre toi, ce sera l'exclusion définitive. Tu es prévenu. Bon, bah, voilà. Si je suis là, c'est parce que j'aimerais bien plus être méchant. Excuse-nous, mais c'est difficile à croire. Attends avant de juger, Elliot. Si Sacha veut changer, il ne faut surtout pas le décourager. Et on peut savoir pourquoi tu veux devenir gentil tout à coup? Parce que si je suis renvoyé de l'école, ma mère m'enverra directement au pensionnat. Je reviendrai plus. Elle m'a prévenu à la rentrée. Je ne veux pas être loin de ma maman. Bon, d'accord, on te croit. Tu as vraiment l'air sincère, Sacha, mais je vois pas ce qu'on peut faire pour toi. J'y connais rien du tout en gentillesse, moi, les gars. Alors, si vous pouviez m'expliquer ce qu'il faut faire... Il faut que tu te persuades que tu peux changer. C'est une question de volonté, tu sais. Je suis gentil, je suis gentil. Ah. T'as du bol que je sois super gentil! Prenez ma place, chère madame, je vous en prie. Dégage de là, microbe, ou je t'en colle une pour t'apprendre. Quoi? C'est pas un vieux. La méchanceté, c'est vraiment plus fort que moi. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Désolé, les copains. Mais tu vas partir en pension et tu ne reverras jamais ta maman. Calme-toi, Marion. On va t'aider pour la fête de la gentillesse, mais faut que tu y mettes du tien aussi, Sacha. Baisse d'un ton, le microbe. Ou Ok, je ferai de mon mieux. Pour te racheter, Sacha, c'est toi qui vas tenir la buvette. Tu serviras des parts de gâteau et des boissons, c'est compris? Et avec le sourire, je compte sur toi pour être gentille. Tu n'es pas ridicule, ne t'inquiète pas, et cette couleur te donne bonne mine. Il est trop chou, ton petit haut. Ils le font pour homme, tu crois? Fais gaffe, le malaise! Si tu me touches, t'es renvoyé de l'école! Il est con! À tous les coups, Groulou et sa bande vont provoquer Sacha. Il faut absolument l'aider à ne pas craquer. Cette fois. Hey,
Cette fois, gentil ou pas, je mets vraiment pétard. Sacha, la maîtresse est renvoyée. Sacha n'est pas devenu un ange pour autant. D'ailleurs, il ne nous a même pas dit merci, ni rien. Je crois que tu as parlé trop vite, Elliot. Regarde qui voilà. Salut la compagnie, je suis juste passé pour prendre ma veste. Bon ben, à la prochaine fois, hein. Et merci pour le coup de pouce, c'était gentil. Ça suffit.